Bon matin! Donc, aujourd'hui, on est lundi et j'ai beaucoup de travail à faire. Mais on va commencer par déjeuner. Puis, ouais, let's go. Fait que j'ai fini de répondre à tous mes messages et de déjeuner et maintenant je vais commencer à travailler. Aujourd'hui, j'ai comme vraiment beaucoup de choses à faire. Puis on dirait que je me sens un petit peu comme overwhelmed. Je sais pas trop par où commencer, mais yeah. On va y aller une fois, une chose à la fois. Fait que on va commencer par programmer les pauses qu'il faut que je programme absolument pour la semaine prochaine. Fait qu'on va faire ça en premier. Ok, fait que ça fait genre 2 heures que je travaille sur le contenu. Puis là, j'ai combien de notifications comme quoi j'avais un meeting. Dans le fond, c'est comme une entrevue. Fait que je vais comme aller me préparer un peu. Je vais pas y aller en hood. Fait que on va aller se préparer. I'm back! Fait que je vais vous faire un petit clip du outfit parce que c'est quand même assez drôle. C'est ça. J'ai de l'air préparé, mais dans le fond, je suis encore en jogging, toute mou, ben confo, dans ma chaise. Vive étant télétravail, puis d'être habillée en mou, mais personne ne veut le savoir. Là, je suis un peu en retard. J'ai mon rendez-vous DPL. Pas pour live. Puis, je suis clairement en retard. Je dois marcher, aller chercher le char chez ma mère. Puis, mon rendez-vous, il est dans 40 minutes. Puis, j'ai comme 30 minutes de route à faire. Fait que je sais pas comment je vais y arriver. Mais, on n'a pas le choix. Les meetings ont débordé. Fait que, regarde, let's go! Je viens d'arriver dans l'auto, je check l'heure, il est 1h50. Mon rendez-vous est à 3h. Je pensais qu'on était 2h50 dans ma tête, j'étais genre oh my god, je suis en retard. Je me suis mis à courir, j'ai couru tout le trajet pour finalement arriver dans l'auto puis faire ah, oh, il est juste 1h50. J'en reviens pas. Oh là 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 là. Bon, fait que pas tout. Fait que là dans le fond, je suis à la bonne heure, fait que on va aller au rendez-vous. Let's go. We got the goods. Je veux de la crème fouettée. J'ai peur que ça allait éclater. Okay. Yeah! Je sens que je vais faire un dégât. C'est pas drôle, j'aurais pas dû faire ça. Oh non! J'en ai mis partout, ça m'a coulé tout dessus. J'étais sûre que j'allais faire un dégât, fait que. Ben oui. Vive le Québec! Il faisait soleil il y a genre même pas 30 minutes. Pour fini.
Ok, fait que je viens juste de finir de prendre une petite douche parce que après l'épaule, je me sentais un petit peu dégueu. Puis là, on va travailler dans le fond sur du contenu. J'ai un de mes collègues qui est supposé venir ici pour que je lui montre des petites affaires. Fait que je vais faire un cours en même temps de travailler. Let's go! Donc, dans le fond, aujourd'hui, le petit planning, c'est mon rendez-vous chez le dentiste. C'est comme dans 1 heure, je pense. Puis après ça, on va aller travailler dans le café. Et je dois vraiment aller faire l'épicerie parce que j'ai plus rien à manger. Fait que, let's go, on start la journée. Hey, fait que je suis revenue chez moi, ma mère est venue me porter, puis là je me suis mis ma robe de chambre parce que j'ai frette. Mais je continue à travailler dans le fond sur les compagnies. Puis c'est ça. Fait que. Oh, ça passe pas. Fait que dans le fond, on s'en va faire du yoga live, puis c'est ça! Bon matin! Je me sentais pas fatiguée aujourd'hui, j'ai pas le goût de rien faire. Hier, je suis pas allée faire l'épicerie. Il est déjà rendu genre midi, puis je suis encore dans mon lit. Fait que je sais pas ce que la journée va avoir de l'air, mais ça semble pas être productif aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien de marcher. Après être resté toute la journée dans mon lit, pour vrai, ça fait du bien d'être sorti. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, yeah. That's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms, in my favorite part. How you talk in the dark, oh God, there. À ce moment, je cravais de l'indien, puis en ce moment, c'est beaucoup trop cher d'aller au resto pour mon budget. Fait que là, je me suis dit, ben pourquoi pas, on va le faire nous-mêmes. Taste test. Let's go, cheers! Ok, évidemment, le pain nan de l'épicerie ne goûte pas le pain nan du restaurant. Sinon, c'est bon, mais il manque d'épices. Thank you.